نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله تبارك وتعالى به الغمة، وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين. فصلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، الخير، il y a deux semaines, donc la semaine dernière, il n'y a pas eu cours. Il y a deux semaines, nous étions arrêtés au chapitre des moments où il était réprouvé de faire la prière, et les exceptions à cet interdit, ou à ce moment où c'est détestable de prier. Le chapitre de l'adhan, de l'appel à la prière, et de l'iqama, je ne sais pas comment il l'appelle en français, du petit appel, ou du dernier appel. L'adhan, l'oratan ou l'i'lam. L'adhan, en langue arabe, veut dire l'i'lam, le fait d'annoncer une chose. وشرعا الأذان هو التعبد لله تبارك وتعالى لإعلام بدخول الوقت بأذكار مخصوصة لإعلام بدخول وقت الصلاة بأذكار مخصوصة في أوقات مخصوصة. Donc l'adhan, religieusement parlant, ça veut dire quoi? C'est le fait d'adorer Allah تبارك وتعالى. Donc c'est une adoration. Dans la définition, on comprend que c'est une adoration. التعبد لله تبارك وتعالى بإعلام دخول الوقت أو لإعلام بدخول وقت الصلاة pour annoncer l'entrée de l'heure de la prière بأذكار مخصوصة avec des أذكار avec des paroles et des évocations précises مخصوصة. Si on avait dit بأذكار sans dire مخصوصة, ça veut dire tu peux changer les paroles du أذان. Mais quand tu dis مخصوصة, c'est dire défini. Défini par qui? Par le شارع subhanahu wa ta'ala, par le législateur qui est Allah tabarak wa ta'ala, et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la permission d'Allah tabarak wa ta'ala. Et l'iqama, ça vient en langue arabe de masdar aqama, ay min aqama shay idha ja'alahu mustaqiman. Il a plusieurs sens, laha ma'ani minha al-istiqrar wal-idhar wal-nida. L'iqama, c'est quand tu as fait qu'une chose, elle est établie. Quand tu établis une chose. Et ça peut avoir plusieurs sens, comme le fait de montrer une chose, ou comme le fait d'appeler à une chose. Donc l'iqama aussi, ça peut avoir le sens de l'appel. Et le fait de dire, iqama sur salah, ça veut dire le fait d'établir la prière. Ça y est, la prière va être établie. On commence la prière. Première des choses dont on va parler, ikhwat al-iman, huwa fada'ilul adhan. Les vertus de l'adhan. Après cela, vous allez tous vous disputer avec Ammi Khalid pour faire l'adhan. Hein? Il est où Ammi Khalid? Il est parti? Ah, après ça, vous allez tous vous disputer avec Ammi Khalid pour faire l'adhan. Mais Inch'Allah, vous ne disputez pas. Vous lui laissez Adhan Fardou. Hein? Pourquoi? Parce que, alhamdulillah, Allah Ta'ala, il a choisi pour être présent à presque toutes les prières et d'être présent avant l'entrée de l'heure de la prière.
et pour pouvoir faire l'adhan. Donc c'est pour ça qu'Allah Ta'ala il a choisi l'hamdulillah. Mais Allah taqabbal min. Il y a plusieurs hadiths qui sont énoncés dans fi fadli al-adhan, dans la vertu de l'adhan. Minhu fi al-hadith al-muttafaq alayh an Abi Hurairah radiyallahu anhu. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله البراق حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه ويقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. Donc Abu Huraira anhu rapporte dans le hadith muttafaqi alayh, rapporté par Abu Khari et Muslim, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand on appelle à la prière, le shaitan il s'enfuit en ayant des gaz pour ne pas entendre l'adhan. Il fait des gaz pourquoi? Pour ne pas entendre l'adhan, car ça nuit à shaitan l'adhan. Puis quand on finit l'adhan, il revient. Et quand on fait l'iqama, le deuxième adhan, quand on fait l'iqama, il s'enfuit. Puis quand on finit l'iqama, il revient et il te dit « Rappelle-toi telle chose, rappelle-toi telle chose, des choses dont tu ne te rappelais pas. » Comme ça, la personne, elle ne sait pas combien de rak'at il a fait dans sa prière. Donc on voit déjà la première vertu de l'adhan, c'est que l'adhan fait fuir Shaytan. La deuxième vertu de l'adhan, c'est un hadith d'Ali Saïd al-Khudri qui est rapporté par al-Bukhari et al-Nasa'i, où il dit à une personne, quand tu es dans ton désert, quand tu es avec ton troupeau, élève la voix dans ton, en faisant l'adhan, car j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, il n'y a pas une personne qui entend le adhan, que ce soit un djinn, ou un homme, ou n'importe quelle chose, sans qu'elle soit témoin pour toi le jour du jugement dernier. Troisième hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les gens qui ont les coups les plus longs yawm al-qiyamah, ceux qui sont le plus proches de la miséricorde, qui peuvent prétendre le plus à la miséricorde d'Allah, c'est qui? Ceux qui font l'adhan, al-mu'adhdinoun. Aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih al-muttafaq alayh, si les gens savaient ce qu'il y a comme valeur dans l'adhan et dans le premier rang, et ils ne trouvaient aucune manière de se départager à part le Qur'an, à part de faire le tirage au sort, ils auraient tiré au sort pour savoir qui va faire l'adhan. Et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc Uqba ibn Amir il rapporte, Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, Yu'jibu rabbukum min ra'i ghanami fi ra'si shabbayatin بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. والحديث أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد هو حديث صحيح. سبحان الله. عقبة بن عامر رفق كل مساجد الله صلى الله عليه وسلم إلى صلى الله عليه وسلم Allah s'étonne, votre Seigneur s'étonne d'un berger qui fait l'adhan au pied d'une montagne et puis qui fait la prière et qui fait l'iqama et qui fait la prière. Et Allah dit à ses anges, Unguru ila abdi, regardez mon serviteur. Il fait l'adhan, il fait l'iqama, il fait la prière, il a peur de moi. J'ai pardonné à mon serviteur et je le ferai entrer au paradis. Donc regardez la valeur de l'adhan. Un autre hadith, et qui va peut-être étonner beaucoup de monde quand on va parler de ce que ce hadith veut dire.
عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد، وهو حديث صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين. Donc, Abi Huraira radiallahu anhu nous rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'imam est garant de la prière des gens. Et le mu'addin est quelqu'un, mu'tamal, c'est-à-dire c'est quelqu'un en qui on a confiance. C'est quelqu'un de confiance. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: fa'arshad Allahu al-a'imma. Allah a dirigé les imams dans la bonne voie. Ou dirige, il fait du'a pour eux. Qu'Allah dirige les imams dans la bonne voie. وغفر للمؤذنين et qu'il pardonne aux mu'addinin. Et sur ce hadith, les ulama en ont tiré que le fait de faire l'adhan, ça a plus de récompense que le fait d'être imam. Le fait de faire l'adhan, il y a plus de récompense dedans, plus de hadith qui en parlent que le fait de faire imam des gens. Car l'amana, c'est un plus gros degré que Baman. Baman, c'est-à-dire tu as le garant des gens, mais lui c'est Mu'taman, c'est-à-dire c'est Sahibu Amana, c'est quelqu'un qui a l'amana. Deuxièmement, Al-Maghfira, le pardon d'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est un plus grand degré que Rashad, que le fait d'être bien guidé. Mais quelqu'un se posera la question, si c'était le meilleur des actes, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam était imam et il n'a pas fait l'adhan? Et pourquoi Abu Bakr et Omar et Uthman et Ali, ils étaient imams et ils n'ont pas fait l'adhan? Est-ce que quelqu'un peut me répondre avant que je réponde? Parce que le prophète, par exemple, normalement, il fait les meilleurs des actes. C'est le premier à faire les meilleurs des actes. Peut-être pour laisser une petite partie pour les actes. Une petite part pour les autres. Pour les autres. Par la récompense. Pas y. Parce que Allah, il leur a promis le paradis. Et si on dit ça, ils ne font plus aucune action. Non. Voilà. Parce que c'était l'Umara, c'était eux les dirigeants de la Umma. Et le dirigeant de la Umma, dans l'islam, dans n'importe quelle structure religieuse, c'est le dirigeant qui préside la prière, sauf si il n'a pas la capacité de présider la prière. Sauf si il n'a pas, il ne connaît pas shurut al-salat, les conditions de salat. Il ne sait pas comment rattraper le salat. Il ne connaît pas les piliers de la prière. Il ne connaît pas comment diriger une prière. Dans ce cas-là, il ne pourra pas présider. Même un hafiz du Coran, par exemple, qui ne connaît pas toutes ces règles-là, il ne lui est pas permis de présider. Quelqu'un qui connaît juste la Fatiha, qui connaît toutes ces règles, est prioritaire devant lui pour présider. Donc la première condition pour présider une prière, c'est de connaître toutes les règles de la prière. Après cela, qui est prioritaire ? Le premier prioritaire, c'est le dirigeant musulman. Dans un pays musulman, c'est le gouverneur. C'est le amir ou le khalifa. Et dans les mu'assassats islamiques, hein, dans les structures islamiques et dans les mu'assassats, comment on dit, mu'assassats? Non, j'ai perdu mes mots en français. Le mu'assassat, une structure, dans n'importe quelle structure ou organisation musulmane, normalement, c'est le dirigeant de cette organisation qui préside. Il l'a, sauf si ce n'est pas quelqu'un qui lui est capable de présider. Dans ce cas-là, Yanoub ou Anrou. Lui, il met quelqu'un pour le représenter. Il va désigner un imam. Il va désigner un imam. Donc c'est pour ça que l'imam raté, l'imam désigné par les responsables, est prioritaire sur un hafiz. Par exemple, quelqu'un qui est désigné par le responsable d'une mosquée, il est prioritaire sur quelqu'un qui est hafiz au Coran, même si lui n'est pas hafiz. À condition, bien sûr, toujours qu'ils connaissent les règles de la prière. Donc l'ordre de priorité pour présider la prière, on va en parler après dans Bab al-Imam, mais je vous donne en général puisqu'on est là-dedans, c'est d'abord le dirigeant musulman. Puis, celui qui est chez lui, Sahib al-Dar, le responsable de maison. Bien sûr, toujours avec les mêmes conditions. Il est capable de présider. S'il est avec quelqu'un qui connaît les règles pour pouvoir prier et pour pouvoir présider les sholot au salat, comment on fait sujud de sahou, etc. Al-Kan, Al-Tahara, et lui il ne connaît pas, non, dans ce cas-là il doit devancer celui qui peut
faire cela, même si c'est chez lui. Donc d'abord c'est sultan, puis la personne chez lui, il fait pas aussi, c'est considéré comme sultan chez lui. Puis l'imam al-ratib, l'imam désigné par le sultan. Puis après cela, ahfadhum li kitabillah, celui qui connaît le plus le Coran, si bien sûr, toujours la condition, je ne la répète pas, à condition qu'on connaisse les règles de la prière. Ça c'est la condition, la première condition. Donc, puis ahfadhum li kitabillah, celui qui connaît le plus du Coran, à la khilaf bain al-ulama, mais rajah, on vous dit, wallahu a'lam. Puis afqahuhum, puis celui qui a le plus de science dans la sunna. Puis celui qui est aqdamuhum hijratan ou islaman, celui qui a été qui est musulman depuis plus longtemps, puis akbaruhum sinnan, puis le plus âgé. Voilà comment l'ordre pour présider al-Farat. Donc, pour revenir au prophète alayhi salatu wassalam et au khulafa al-Rashidin et à Omar ibn Abd al-Aziz qui était le khalifa al-Rashid al-Khamis, eux, ils étaient les dirigeants de la Ummah. Pour eux, il est préférable d'être imam que de faire l'adhan. Et ils sont tellement occupés avec les affaires des musulmans, ils ne peuvent pas se permettre toujours d'être là une demi-heure avant un salat pour pouvoir être prêt à ouvrir la porte. Enfin, tu me diras, les portes n'étaient pas fermées, mais c'est-à-dire venir attendre l'heure de la prière, faire l'adhan, et alors que les gens, peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure après, ils venaient, ils faisaient la prière en groupe. Ils n'ont pas le temps, ils sont occupés avec les affaires de la Ummah. Donc ils ne peuvent pas se permettre d'être toujours là pour faire l'adhan à l'heure. Ils ne peuvent pas s'occuper de ça. Donc voilà pour eux, dans ce cas-là précisément, dans le cas où la personne est occupée avec les affaires de la Ummah, et qu'il est responsable des affaires des musulmans, pour lui, l'imama c'est mieux que l'adhan. Mais sinon, en général, l'adhan, ça a plus de valeur que l'imam. L'adhan, il y a un ikhtilaf entre les ulama, mata shuri'a. Quand est-ce qu'il a, donc, quand est-ce qu'il a mata shuri'a, quand est-ce qu'il a été légiféré, l'adhan. Il y a un ikhtilaf entre les ulama, entre ceux qui disent la deuxième année de l'islam, il y en a de l'égir, il y en a qui disent la première année de l'égir. Wallahu a'lam, le plus juste, c'est que c'est la première année de l'égir. C'est les Sahaba, d'abord ils se réunissaient pour la prière comme ça, sans appel. Puis quand ils étaient tous réunis, ils faisaient la prière. Quand le professeur Abdou voyait qu'ils étaient tous réunis, ils faisaient la prière. Puis un jour ils ont dit, pourquoi on ne ferait pas comme les chrétiens qui utilisent des cloches? Un autre il a dit, non, on va faire comme les juifs qui utilisent le bouc, la trompe. La corne, voilà. Puis Omar radiallahu anhu, il a dit, pourquoi on ne va pas faire appeler l'adhan avec la voix de l'homme? Et il y avait un parmi les Sahaba aussi, radiallahu anhu, il l'avait vu en rêve, l'adhan. Il l'a vu en rêve et le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est le hadith d'Abdullah ibn Zayd. Abdullah ibn Zayd, il est venu, il a dit à Rasulullah, j'ai vu en rêve l'adhan, telle façon, telle façon. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, إِنَّهَا رُؤْيَا حَقْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى ثُمَّ أَمَرَ بِالتَّأْذِينَ. Il a dit ça, c'est un rêve véridique. Puis il a ordonné Bilal et il a dit à Abdullah ibn Zayd, il a dit, enseigne-le à Bilal. Enseigne-le à Bilal car il a une plus belle voix que toi et sa voix porte plus. Donc enseigne-le à Bilal, c'est lui qui fera le adhan. Hein, et au passage, il y a des gens qui disent que Bilal, كان يلحن في الأذان. Ils disent que Bilal, il parlait mal arabe et qu'il faisait des fautes dans l'adhan. Ceux qui disent ça, c'est un mensonge. Ce n'est pas vrai. Au contraire, Bilal énonçait très bien. Parce que certains énoncent ce hadith, mais ce hadith n'est pas véridique. Comme quoi Bilal, au lieu de dire Ashhadou, il disait Ashhadou, Ashhadou. Comme aujourd'hui, on pourrait entendre certains frères africains avoir du mal à dire le chat, le chine. Hein? Mais Bilal radiallahu anhu n'avait pas ce problème-là, alhamdulillah, il était arabophone, parfaitement arabophone, et il était avec les Arabes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas choisi que parce qu'il pouvait, il faisait l'adhan parfaitement. Hein? Donc il avait une belle voix et une voix qui portait puissance et en plus il le disait d'une langue arabe très propre. Radiallahu anhu. Maintenant, la chose dont on va parler, c'est hukm al-adhan. Al-adhan, c'est quoi son hukm, son statut en islam? Est-ce que c'est une obligation? Ou est-ce que c'est une
recommandation? Ou est-ce que c'est juste permis? Donc la première chose sur laquelle les savants sont tous mis d'accord, c'est que l'adhan ou masrua. L'adhan, c'est une chose qui a toujours existé. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a jamais été délaissé pour les prières, ni après lui, jusqu'à nos jours aujourd'hui. Puis après, ils ont divergé, est-ce que c'est une obligation formelle ou est-ce que c'est une sunna très recommandée, mu'akkada. À vrai dire, cette divergence-là, dans certains points, elle n'est que l'arbiya, elle n'est que linguistique. Pourquoi? Parce qu'en pratique, ils sont tous d'accord pour dire si elle est délaissée en entier dans un pays ou dans une ville, c'est haram. Donc déjà, ils sont tous d'accord pour dire ça. Si dans une ville musulmane ou dans une contrée, l'adhan est complètement délaissé, c'est haram. Yuhramu tarkul adhan. Fi ayi qariya ou madina min al-mudun islamiyya. Tarkul adhan bil kulliyya. Et wa huwa fardu kifaya. Wa sahih wa rajih. Le plus juste, c'est de dire que l'adhan, c'est fardu kifaya. Fardu kifaya, ça veut dire quoi? C'est une obligation pour les musulmans en général. C'est-à-dire que si un groupe ou si une personne fait l'adhan dans un groupe ou dans une ville ou dans un endroit précis, pour les autres, ce n'est plus obligatoire, ça reste mustahab s'ils vont faire une autre jama'a ou s'ils vont prier tout seuls. Ça reste mustahab. La preuve que c'est fardu kifaya, c'est plusieurs ahadiths. Que c'est wajib ou fardu kifaya, c'est plusieurs ahadiths. Premièrement, le prophète alayhi salatu wassalam, comme il a été rapporté de Anas radiallahu anhu, فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر فإذا سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم والحديث متفق عليه. Donc la première des choses, Anas رضي الله عنه, il dit quand le prophète صلى الله عليه وسلم allait en bataille avec nous, il n'entrait pas dans une ville pour les combattre jusqu'au matin. Il attendait la prière de Subh. S'il voyait qu'il faisait l'adhan, il ne les attaquait pas. Donc ça veut dire qu'il était musulman. Et s'il ne faisait pas l'adhan, qu'est-ce qu'il faisait? Il les attaquait. Donc vous vous imaginez, il a fait de l'adhan dans une ville, alamatul islam, le signe de l'islam. C'est-à-dire, quand l'adhan est là, c'est un signe que les gens sont musulmans. Quand il n'est pas là, c'est un signe qu'ils ne sont pas musulmans. Imagine donc l'importance. Deuxième des choses, c'est le hadith de Malik ibn Huwayrid, où le prophète alayhi salatu wassalam, c'est hadith aussi muttafaqun alayhi, rapporté par le Bukhari et le Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةَ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَأُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ. Ils étaient en voyage. Malik ibn Huwayrid était en voyage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné, si la prière arrive, que l'un de vous fasse l'adhan et que le plus âgé d'entre vous fasse préside la prière. Dans un autre hadith de Abdullah ibn Zayd, dans son rêve, donc il a dit, quand il a dit innaha ru'ya haqq, il a dit c'est un rêve véridique, thumma amara bi ta'zin, puis il a ordonné qu'on fasse l'adhan. Amara. Donc mawdi' al-shahid huna, c'est quoi qui nous intéresse ici? Il a ordonné de faire l'adhan. De même, le prophète alayhi salam dans le hadith d'Abi Darda radiallahu anhu a dit: Ma min thalathatin la yu'adhana wa la tuqad fihim salat illa istahwadha alayhim ash-shaytan. Donc le prophète alayhi salam a dit: il n'y a pas trois personnes qui soit dans une vallée, dans une ville, dans un village, sans qu'on fasse l'adhan et qu'ils se réunissent pour faire la prière, il tahwad alayhi shaytan, sans que shaytan il a pris l'emprise sur eux. Donc tous ces hadiths là prouvent que l'adhan c'est fard, mais c'est pas un fard ayn comme la prière par exemple. C'est pas tous les musulmans qui doivent faire l'adhan, mais c'est fard kifaya. Si une partie des musulmans dans un endroit donné ou un musulman dans un endroit donné le fait, pour les restes des musulmans, ça ne reste plus obligatoire, mais ça reste une sunna, hein,
mu'akkada, une sunna, c'est une sunna pas mu'akkada, c'est une sunna de le faire quand on fait une autre jama'a. Ou même quand on est tout seul, c'est une bonne chose, c'est une sunna de le faire, comme on en a vu dans les hadiths auparavant, que chaque chose qui est autour de nous va témoigner pour nous yawm al-qiyam. Et pour rajouter de la valeur aussi au adhan, Allah tabaraka wa ta'ala dit au Coran al-Karim, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Aïcha radiallahu anha l'a dit, c'est le mu'adhin. Cette personne-là, c'est le mu'adhin. La personne, la meilleure personne qui مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Allah il a dit, il n'y a pas une meilleure parole que ça. Allah il parle des mu'adhinin, de la personne qui fait l'adhan. Donc voyez-vous la valeur de l'adhan. Donc on a dit aussi qu'il est obligatoire aux musafirines de faire l'adhan s'ils font une jama'a. La preuve, c'est le hadith de Malik ibn Huwayrid, muttafaqi alayh, qu'on a vu auparavant. Ils étaient en voyage, pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de faire l'adhan à chaque prière. De même qu'il est obligatoire de faire l'adhan pour salat al-fawa'id, pour salat al-fa'ita, pour les prières qu'on a à rattraper. De, comme dans le hadith de Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était endormi avec les sahaba, et où Bilal s'est réveillé que par la chaleur du soleil, et ils se sont tous levés, ils n'avaient pas fait salat al-subh. Et ils ont bougé, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné Bilal de faire l'adhan. Amarahu bil adhan. Donc ça prouve aussi que pour le fawa'id, quand on fait une jama'a, c'est obligatoire de faire l'adhan. Bien sûr, attention, depuis tout à l'heure, quand je dis c'est fard ou kifaya, ala kulli jama'a, pour les jama'a, pour le munfarid, pour la personne qui prie toute seule, c'est pas un fard, c'est pas une obligation. Ça reste une sunna, c'est mustahab, c'est une bonne chose de faire l'adhan, mais ce n'est pas une obligation. L'obligation, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une jama'a, à chaque fois qu'on est au moins deux à faire la prière en groupe ensemble, on doit faire l'adhan. Sauf si on est dans une ville où on entend l'adhan partout. Ça a déjà été fait, ce n'est pas obligatoire de le refaire, mais c'est une bonne chose. De même, dans une mosquée, si l'adhan a déjà été fait, on rentre après, on n'a pas besoin de refaire l'adhan si on fait notre jama'a derrière, mais si on le fait, c'est une bonne chose. La preuve, c'est un hadith qui est apporté par Anas ibn Malik, qui est rentré Anas ibn Malik, radiallahu anhu, il est rentré dans une mosquée, et ils avaient fini la prière. Il leur a dit, est-ce que vous avez fini la prière? Ils ont dit oui. Anas ibn Malik était avec ses compagnons, on lui a dit, fais l'adhan. Il a refait l'adhan, ils ont fait les qama, ils ont fait salat jama'a. Donc il n'y a pas de mal à le faire. Si un jour vous voyez une autre jama'a ici, elle fait un autre adhan, il ne faut pas lui dire qu'est-ce que tu fais. Hein? Ils ne sont pas obligés de le faire car l'adhan de la mosquée suffit pour les gens qui vont venir après. Mais s'ils le font, c'est mieux pour eux et ils ont plus de récompenses. Inch'Allah, tabarak wa ta'ala. Il y a une autre mas'ala. Hukm al-adhan il-nisa et l'iqam. Pour les femmes, est-ce qu'il y a l'adhan? Donc déjà, les ulama sont d'accord pour dire que ce n'est pas obligatoire pour les femmes de faire l'adhan, même si elles font salat en jama'a. Ni l'iqama. Donc les femmes, ce n'est pas obligatoire pour elles de faire ni l'adhan ni l'iqama, même si elles sont en jama'a. Taïb, la question qu'on se pose maintenant, هل يسرع لهن ذلك? Est-ce qu'il aurait permis de faire l'adhan et l'iqama? Là, l'imam. إذا قلت لا, la بد من دليل. صوت المرأة عورة؟ لا. أولا صوت المرأة ليس بعورة إلا إذا زينت صوتها. ولكن لا يشرع للنساء رفع الصوت. هذا هو المقال. لا يشرع للنساء رفع الصوت. Les femmes elles élèvent pas la voix. Mais si elles sont contre femmes, dans un endroit que entre femmes, est-ce qu'il aurait permis de faire l'adhan et l'iqama? Certains disent que non. Ça fait pas, ça c'est qu'on soucie à ces rigels, ça fait partie des choses des hommes. D'autres disent que c'est donc certains disent que c'est macro, certains disent que c'est yubah, c'est permis, sans plus, et on a dit que c'est même mustahab, c'est recommandé. Au sahih, c'est que c'est recommandé, pourquoi? Parce que c'est un zikr, c'est un zikr. Si elles sont que entre elles, et il a été rapporté de certains sahaba, cette parole-là. Awalan, une hada, premièrement, il n'y a rien qui a interdit cela. Deuxièmement, Abdullah ibn Omar radhiyallahu anhu, su'ila, on lui a posé la question, هل على النساء أذان؟ فغضب وقال, أنهى عن ذكر الله؟ Il s'est fâché, il a dit, je vais les interdire de faire ذكر الله. Il est où le problème? De même, il a été rapporté de Mu'tamar ibn Sulayman, selon son père, il a dit, on a demandé à Anas radhiyallahu anhu,
Est-ce que les femmes, elles font l'adhan et l'iqama? Il a dit non. Mais si elles le font, c'est du zikr. Donc, il ne l'a pas interdit. Hein, et ils ne l'ont pas donc réprouvé. Donc, il n'y a pas de mal. Si les femmes sont que entre elles, elles vont faire salat jama'a en groupe. Elles peuvent faire l'adhan que entre elles sans lever trop la voix. Juste, elle fait entendre les femmes qui sont autour d'elles. Et l'iqama, il n'y a pas de mal en cela. Elles sont même, inshallah, tabarak wa ta'ala, récompensées pour cela. Maintenant, une autre question, c'est l'adhan pour les gens qui font deux salats en jama'a. Par exemple, si par exemple quelqu'un est en voyage, ils réunissent entre Dhuhr et l'Asr, est-ce qu'ils font l'adhan pour Dhuhr et pour l'Asr ou est-ce qu'ils font juste un adhan? Un seul adhan et deux iqam. C'est ce qui a été rapporté par le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. Même par exemple à Muzdalifa, entre le Maghrib et l'Isha, on réunit, ou à Mina, quand on réunit, pas à Mina, à Arafat, quand on réunit entre Dhuhr et l'Asr. Donc là, c'est des moments où on fait un seul adhan et deux iqam. Maintenant, on va parler des conditions pour l'adhan. Shurut al-adhan. Hadi tasma'aha ammi Khalid, c'est important. Ça, c'est les conditions, ça veut dire quoi? Si ces choses, elles ne sont pas là, l'adhan, il est manquant. Il n'est pas valable. Donc, les conditions pour qu'il soit valide, elles sont là, on va les énoncer, inshallah, tabarak wa ta'ala. Awwalan, dukhul al-waqt. Tu ne peux pas faire l'adhan avant l'entrée de l'heure. Donc c'est pour ça qu'on dit toujours, attention, ne faites pas l'adhan avant l'heure. On peut la faire après l'entrée de l'heure, mais avant non. On va voir après, sauf Salat al-Fajr, il y a l'adhan de la nuit, ça on va en parler plus tard, mais en vérité celui-là, il n'est pas concerné, parce que ce n'est pas un adhan qui parle de l'entrée de l'heure, mais c'est un adhan pour réveiller ceux qui sont endormis pour qu'ils se préparent, et pour annoncer à celui qui prie que bientôt c'est le Fajr, et pour annoncer à celui qui veut jeûner que c'est le moment de prendre le dernier repas de la nuit avant l'entrée de le Fajr. Donc ce adhan-là, il n'est pas pour annoncer un début d'heure, donc il ne concerne pas notre question. Premièrement, on a dit « dukhul al-waqt ». Shart al-thani, al-niyya. Deuxième condition, al-niyya. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « innama al-a'mal » Donc, comme on a dit que l'adhan, c'est une ibada, c'est pas une aada. Donc, ils font une niya. Par exemple, quelqu'un se lève, il était en train de faire du zikr comme ça. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Après, il se lève, il fait l'adhan. Est-ce qu'il peut tout de suite dire Ashhadu an la ilaha illallah? Non. Il doit recommencer au début d'Allahu Akbar parce qu'il n'avait pas mis la niya de l'adhan. Une niya. Une niya, c'est dans le cœur. C'est-à-dire l'intention maintenant de que je fais l'adhan. Troisièmement, adaouha bilogati l'arabiya. L'adhan, elle doit être obligatoirement faite en langue arabe. Pas comme certains, ils ont voulu faire là, en 1900 et quelques, là, en Turquie, qui a voulu hada l'adou ou l'moubi. Voilà. Qui a voulu changer les paroles de l'adhan de l'arabe au turc. Ah. Donc, le fait de faire l'adhan dans une autre langue que l'arabe, c'est invalide. C'est pas valable. Ah. Et c'est une bid'a, c'est une innovation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man ahtasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa rabb » Celui qui invente dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, c'est refusé par Allah tabarak wa ta'ala. Illa, si vraiment on est dans un peuple, personne ne sait dire un mot en arabe, même avec des fautes. Ils ne savent pas dire Allahu Akbar même. Ils ne savent même pas dire ça. Ils ne savent rien. Certains ulama, ils ont dit, ça c'est un autre cas. Dans ce cas-là, il aurait permis de le faire dans une autre langue. Mais, haqiqatan la yujad hadha shay. Ça, ça existe presque pas. Hein? Dans n'importe quel coin de la terre, même avec des fautes, ils sont capables de parler arabe. Ils sont capables de dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, même s'ils n'arrivent pas à faire le Ha ou le Ra comme il faut, ni même dire les lettres comme il faut, au moins ils le font en arabe. Donc, c'est une condition pour que l'adhan soit valable. Ada'uhu bil-lughati al-arabiyya. Quatrième point, et ce point-là, ils vont en fâcher plus d'un, mais, al-haqqu yuqal, hein, mais la vérité, elle doit être dite. C'est
خلو الأذان من اللحن الذي يغير المعنى. Il faut que l'adhan, il n'y ait pas dedans des mélodies qui changent le sens de l'adhan. Est-ce que toi, quand tu parles arabe avec ton ami, est-ce que tu lui dis « Mehdi » Si tu fais ça dans la rue, est-ce qu'on va te prendre pour un fou ou est-ce qu'on va te prendre pour quelqu'un de normal? Quand ils sont venus demander à l'imam Ahmed, rahimahullah, sur l'adhan, le fait de faire, de chanter dans l'adhan. Je ne parle pas d'embellir la voix, après on va y venir. On va faire la différence entre embellir sa voix et rajouter des choses qui ne font pas partie de l'adhan. Il y a une différence entre les deux. Embellir sa voix, c'est demander. C'est bien. Mais rajouter des choses qui ne font pas partie de l'adhan, ça c'est pas bien. Surtout si c'est des fautes qui changent le sens. Par exemple, on trouve dans, subhanallah, dans certains pays, même on voit vous dire à Mecca ou à Medina, l'adhan, il y a des fautes graves dans l'adhan. Des fautes très graves, des fautes qui changent le sens du mot. Par exemple, au lieu de dire Allahu Akbar, ils disent Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ça veut dire, est-ce qu'Allah est le plus grand? C'est du kufr. Dire ça, c'est du kufr. C'est-à-dire, tu as un doute sur le fait, est-ce qu'Allah, c'est lui le plus grand? Vous imaginez? Allahu Akbar ou Allahu Akbar, Akbar ou Allahu Akbar. Hein? Tout ça, c'est des fautes qui changent le sens de l'adhan. Donc, il faut faire très attention. Des fois, pour justement suivre la mélodie, pourtant, c'est des Arabes, ces gens-là, ils savent très bien. Mais parce qu'il a une mélodie, parce que pour lui, la mélodie, elle passe avant le sens, alors à cause de sa mélodie, il change le sens. Vous avez compris? Donc il faut faire très très attention à cela. Et on entend beaucoup ça. Dans l'adhan qu'on entend, Al-Madina al-Munawwara wa Mecca. On entend Allahu Akbar, Akbar. On l'entend ou on n'entend pas? Ça c'est une faute grave. Pourtant les ulama ils l'ont dit et redit et redit, mais Allah ghalib, comme on dit, Allah ghalib. Nah. On va y venir. Je vais en parler de ça aussi. Ça aussi, c'est pas recommandé, mais c'est moins grave que le fait de changer le sens. Par exemple, quelqu'un qui dit Allah, Allahu Akbar, ça c'est très grave, ça change le sens. Mais si une longueur de deux temps, on l'a fait 15 fois, c'est pas recommandé, c'est détestable. Mais c'est moins grave que le premier. Le mieux, c'est de l'allonger d'une longueur raisonnable. Raisonnable. Qui ne change pas une manière de parler. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Pas besoin d'aller, de rester des heures sur, entre Allah et le Ha. Entre le Lam et le Ha. La longueur qui est là, elle dure 2 temps, 3 temps, 4 temps. Combien tu vas la faire durer? 20 ans? Déjà, c'est pas du Coran. Il y en a, ils vont se dire, oui, mais dans le Coran, tu peux aller jusqu'à 6 temps. Déjà, j'ai jamais vu un adhan, il va jusqu'à 6 temps, il va plus qu'à 6 temps. Ils vont jusqu'à 30 ans, je crois. Hein? Mais 6 temps, c'est spécifique au Coran. Ilm al-Tajwid. Ilm al-Tajwid, c'est pour le Coran, c'est pas pour l'adhan. C'est pas pour l'oratul qawm quand tu parles. Tu parles pas en Tajwid. Quand tu parles avec les gens, est-ce que tu parles en Tajwid? Hein? Tu parles normalement. Donc, il n'y a pas de mal. On ne va pas être vraiment strict avec des, c'est-à-dire avec des, vraiment des minutes ou des temps précis. Tant que ça reste raisonnable, acceptable, c'est acceptable. Mais tant que c'est trop rajouté, c'est détestable. Car, une fois, Abdullah ibn Omar a rencontré une personne. Cette personne lui a dit, je t'aime pour Allah. Abdullah ibn Omar lui a dit, je te déteste pour Allah. Il lui a dit, pourquoi tu me détestes pour Allah? Abdullah ibn Omar lui a dit, pour deux choses. Car tu fais l'adhan, et tu es payé pour faire ton adhan, et deuxièmement, tu chantes quand tu fais l'adhan. On va y venir pourquoi tout à l'heure, il a dit, tu es payé pour faire ton adhan. Donc, on a dit l'adhan, parmi les conditions de l'adhan, c'est qu'on ne doit pas faire des fautes, l'ahn. Rajouter des voyelles ou des longueurs qui peuvent changer le sens.
Et deuxièmement, éviter de faire des longueurs trop longues aussi, qui sont contraires à la langue arabe. Cinquième condition, c'est tartib al-kalimat. C'est le sens des paroles. Tu ne peux pas dire shahada avant Allahu Akbar. Tu ne peux pas dire hayya al-falah avant hayya al-salah. Celui qui change le sens des paroles, il doit recommencer au début. Il recommence. L'ordre. Ouais, le sens. Excusez-moi, le sens, c'est dans le sens, je veux dire l'ordre, oui. L'ordre des paroles. Sixième condition, al-muwalat bayna al-alfaz. Il faut que les mots de l'adhan se suivent. Il ne faut pas de coupure entre les mots de l'adhan, sauf si c'est peu. Par exemple, quelqu'un dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Après, il va, il fait quelque chose, il revient. Allahu Akbar. Non. Si c'est juste une petite pause, par exemple, il fait l'adhan, il dit à la personne, ou fait ça, c'est pas grave, juste une parole, ça ne casse pas l'adhan, c'est détestable de le faire. C'est détestable, mais ça ne n'annule pas l'adhan. Hein? Ou alors, par exemple, il s'arrête, il éternue, ou il tousse, ou il se mouche, ou il fait quelque chose et il continue, ça, il n'a pas besoin de recommencer au début. Mais si il y a une rupture trop longue entre les paroles de l'adhan, on doit recommencer le début. Une condition de l'adhan, c'est Isma'ir al-Hadirin. Ce qu'on peut parler pendant l'adhan, c'est que il y a certains parmi les Sahaba, il y avait quelqu'un qui faisait l'adhan. Il lui a dit, il l'a repris pendant l'adhan, il lui a dit, rajoute telle parole, dis aux gens de faire Sallu fi rihalikum. Et lui, il a dit quoi? Qu'est-ce que je dis? Et il lui a répété, après il l'a fait. Et il ne lui a pas demandé de recommencer l'adhan. Donc ça a été déjà rapporté par certains parmi les Sahaba. Et un autre parmi les Sahaba, radiallahu anhu, il faisait l'adhan, entre les paroles de l'adhan, il donnait des ordres à son esclave. Il faisait l'adhan et après, il disait, ramène-moi ça. On ne dit pas que c'est le mieux, c'est makrouh, c'est détestable. Mais ça ne, la preuve que certains Sahaba l'ont fait, ça ne rompt pas l'adhan, si c'est des paroles basites, hein, simples, une parole qu'on n'entend pas dans le micro, partout, il fait l'adhan en même temps, il entend, ramène-moi ça, non. Hein? Sinon, on recommence au début. Une question, et ça, subhanallah, une question, donc je disais une question qui peut vous paraître bizarre, mais subhanallah, j'ai vu ça dans plusieurs pays musulmans, malheureusement. Est-ce que si on met une cassette pour faire l'adhan, c'est valable? Ou la radio? Non, c'est pas valable. C'est pas valable, pourquoi? Parce que l'adhan, c'est une ibadah, c'est une adoration. Une adoration, ça ne peut pas être fait par quelque chose d'électronique ou par une cassette. Non. C'est comme si on mettait une cassette comme imam et on fait la prière derrière lui. C'est exactement la même chose. Par exemple, on met une télévision, on met Cheikh Soudaïs et on se met derrière, on fait Salat al-Isha. De même, l'adhan, et j'ai trouvé ça dans certains pays musulmans, ma'al asaf. Après, quand j'ai dit, mais pourquoi vous faites ça? Il dit, ouais, les gens, ils veulent un beau adhan, on n'a pas quelqu'un qui a une belle voix. Mais subhanallah, c'est pas valable, Allah il dit. Malheureusement, voilà, dans certains pays musulmans, je trouve ça. Ils mettent une cassette, quelqu'un, il est désigné pour alors l'adhan venir appuyer play. Et après, il fait stop. Une autre question, ah, là, c'est très important, on va parler de quoi? Sifatul mu'addin. Comment il doit être le mu'addin? Comment on choisit un mu'addin? Premièrement, أن يبتغي بأذانه وجه الله. Dans son adhan, il cherche quoi? L'adhan, le mu'addin, il doit chercher, il doit être sincère. Dans son adhan, il doit vouloir le visage d'Allah, tabaraka ta'ala. Niya khalifa. Comment? Non, ça c'est pas. Là on dit sifat et le mu'addin, ça c'est pas ce que nous on peut voir. Voilà. Ça on parle d'abord des qualités générales du mu'addin, comment elles sont. Mais après je vais parler de certaines qualités que nous on peut voir. Là, c'est ça justement la deuxième qualité que nous on peut voir. أن يكون عدلا أمينا. أن يكون عدلا يخرج منه الفاسق. عدلا, c'est-à-dire quelqu'un qui est constant dans les ordres d'Allah tabarak wa ta'ala. C'est-à-dire, on ne connaît pas de cette personne qui fait des grands péchés. Et on ne connaît pas de cette personne qui est constant dans des petits péchés. C'est ça l'adl. Et c'est pour ça, c'est très important. Les gens, des fois, ils choisissent Mu'azzin, le monsieur qui tient un bar. Non.
هذا يتصف مؤذن. Parce que le mu'addin, l'adhan, c'est un khabar. Tu annonces aux gens l'entrée de l'heure de la prière. Bon, en France, peut-être qu'on ne voit pas autant l'impact de ça. Parce qu'ici, pour l'instant, on ne fait pas l'adhan dehors. Les gens n'attendent pas l'adhan, par exemple, du mu'addin pour casser le jeûne ou pour faire la prière. Dans un pays musulman, imagine-toi, dès qu'il y a l'adhan, les gens ils se lèvent, ils font salat. Il y en a, ils rompent le jeûne, il y en a, ils arrêtent de manger. Il y en a, t'imagines, c'est les règles qui en découlent. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Donc le فاسق, quand il vient بنبأ, il vient avec une annonce. فتبينوا, on doit vérifier son annonce. Donc l'adhan, c'est une annonce, on a dit. C'est l'annonce de l'entrée de l'heure de la prière. Donc comment ils peuvent être acceptés, l'annonce ou la parole d'un fasiq n'est pas acceptable. C'est pour ça que le mu'addin, ça doit être quelqu'un de adl, quelqu'un de amin, quelqu'un qui a l'amana, sahib amana. C'est pas quelqu'un qui roule le neuf, il triche avec les gens, il a des histoires partout avec les gens. Les gens ils disent que hada, par exemple, je sais pas, il a, Allah salam wa l'afi, il regarde les femmes, ou là, qu'est-ce qu'il fait, ou là. Un mu'addin, il ne peut pas faire ces choses-là. Donc on doit essayer de chercher sahib diyana, quelqu'un qui a la crainte d'Allah, quelqu'un de pieux, quelqu'un de mustaqim. Ça c'est important. Parmi les conditions de l'adhan, an yakuna sayyitan, qu'il a une grande voix, on l'entend de loin, hein, qu'il a une voix qui porte. Sayyitan, voilà, saut, ça vient de saut, sayyitan, la voix sautan. Et aussi qu'il a une belle voix, Hassan al-Sawt, qu'il a une belle voix. Une belle voix, voilà, qui n'est pas, par exemple, qui ne dérange pas les gens qu'on entend. C'est pas une voix crispante. Quand il fait la dinde, tout le monde se bouche les oreilles. Ni une voix trop basse, il fait la dinde dans ses joues. On n'entend rien, on comprend rien, il fait la dinde dans sa main. Normalement, ça doit être un choix. Normalement, c'est un concours. En vérité, si on voulait faire les choses à la sunnah, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Qu'est-ce qu'on fait si on fait les choses à la sunnah? On fait un concours. C'est-à-dire un concours moussabaqa. Tous ceux qui veulent faire la dinde, ils viennent se présenter à nous. On va les écouter. Premièrement, on va dire, entre vous déjà, qui est capable de venir ici à l'heure toujours pouvoir faire la dinde? Déjà, ça va éliminer beaucoup de gens. Après cela, on va voir entre cela, lequel il est plus, mashallah, quelqu'un par exemple, hafidh Qur'an. Quelqu'un, il est Rajoul Tayyib, Rajoul Ma'rouf, Bissalah, de par sa piété, Talib Ilm. Et un autre, c'est Rajoul Adi, Minal Muslimin. Lui, on le devance. Quelqu'un, il a une grosse voix, il connaît. Quelqu'un, il n'a pas de voix. On va choisir comme ça. Et si à la fin, ils sont égaux dans tout, Al-Qura, on fait le tirage au sort. Donc voilà, normalement, comment ça se désigne les Mu'addinoun. Bien sûr. Le prophète lui-même l'a dit. Il l'a déjà fait pour ses femmes. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam partait en voyage, il prenait toujours une de ses femmes. Comment il faisait? Elle faisait le Qur'an entre elles. Celle qui gagnait, elle partait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on a dit au début, yabtaghi bidhalika wajha Allah, pour le mu'addin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, واتخذ مؤذنا لا ياخذ على اذانه اجرا. Tout à l'heure on a parlé du fait de pas. Il lui a dit, prends un mu'addin qui n'est pas payé pour son adhan. Donc ça c'est aussi une condition. Si on trouve quelqu'un qui est prêt à faire l'adhan, fi sabilillah, il est prioritaire sur les autres. Si on est dans un pays ou dans une époque où les gens sont mashghoulin, ils sont occupés, et qu'il n'y a personne qui peut vraiment être mu'addin libre, donc il est permis à l'imam, c'est-à-dire à l'imam dans le sens, c'est pas l'imam, le dirigeant, de désigner un mu'addin et de lui donner un ratib, de lui donner une paye pour que cette sha'ira, pour que cette règle-là, elle soit appliquée. Voilà. Parce que sinon, après, il y a des choses de l'islam qui seront délaissées. Et la quatrième condition, أن يكون عالما بالوقت. Le mu'addin, il doit connaître les horaires de la prière. Il doit connaître qu'est-ce que c'est le début de l'heure de la prière,
Il sait qu'il ne doit pas faire l'aden avant, il doit vérifier toujours le calendrier. Avant, ce n'est pas le calendrier avec le nombre, etc., le soleil. Mais aujourd'hui, il doit être le premier à vérifier le calendrier. Tous les jours, il doit regarder, chaque prière, il regarde le calendrier. Tiens, c'est à quelle heure aujourd'hui? Il vérifie bien de ne pas faire l'aden avant l'heure. Ou bien, même si lui, il n'est pas alim bil waqt, c'est permis. Par exemple, Ibn Ummi Maktoum, il était aveugle. Comment tu vas dire qu'il est alim bil waqt? Mais il était mu'adzin. Mais à condition que quelqu'un peut lui dire. S'il y a quelqu'un avec lui qui peut lui dire, ça y est, maintenant c'est l'heure. Comme il faisait avec Abdullah ibn Abi Maktoum, quand le fajr est rentré, il dit, Asbahda, Asbahda, ça y est, le jour il est rentré, c'est l'adhan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين